Qui se cache toujours, et Antoine pour Hello Superette. Aujourd'hui, on va vous expliquer comment coudre un monokini ou un maillot d'une pièce, c'est vous qui choisissez. Mais avant, on voudrait parler d'un seul truc. On a dépassé aujourd'hui la barre des 5000 abonnés et ça nous fait trop plaisir, trop de plaisir à nous. Et du coup, on voulait vous dire un gros merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à faire grandir la communauté, à réagir aux vidéos, à proposer vos idées. Et nous, c'est comme ça qu'on aime que ça marche en fait, vu que c'est vous qui regardez les vidéos. On trouve ça trop cool que vous nous proposiez des choses que vous avez envie de voir, et dans la mesure du possible, on fera en sorte de réaliser ce dont vous avez envie. Quelques petites choses avant de commencer la vidéo. Le tissu d'abord, c'est un lycra que Pretty Mercery nous a envoyé. Pretty Mercery, on les adore, on adore leur site internet, on adore la rapidité à laquelle ils nous envoient le tissu, c'est abusé. Si vous allez voir sur le site internet, vous verrez, il n'y a pas 350 000 références, mais les tissus qu'il y a, on sent que c'est des gens... que c'est des pros qui aiment le tissu de qualité, qui les choisissent, et ça, on kiffe grave. On fait des gros bisous à Mélina qui a posé pour nous pour la vidéo. Elle était trop à l'aise, trop souriante, c'était super facile de tourner avec elle. On vous laissera son petit pseudo Instagram si jamais vous avez envie de la suivre. On voudrait remercier Charline et Jennifer qui étaient là pour nous aider pendant le tournage. C'était assez rigolo, on est allé tourner à côté d'un lac. En fait, c'était deux lacs qui étaient séparés par une berge et le niveau de l'eau était tellement haut que ça recouvrait complètement la berge et du coup, ben, les arbres avaient le pied dans l'eau et ça donnait ce petit effet sympa qui nous a beaucoup plu. Vous allez voir dans le tuto, le lycra, c'est un truc qui est assez compliqué à coudre. On a un petit peu galéré au niveau des bretelles et Léa nous a fait penser après coup qu'on aurait pu faire autrement au lieu de les assembler au haut du maillot directement. On aurait pu juste faire un petit tourlet sur le haut du maillot dans lequel on serait venu enfiler des petites ficelles ou des ficelles qu'on aurait fabriquées nous-mêmes et qu'on serait venu nouer directement dans le dos. Je sais pas si c'est très clair. On n'y a pas pensé sur le coup, mais c'est pour ça qu'on vous le dit maintenant. Donc les bretelles c'est fait, Pretty Mercery c'est fait. Lieu de tournage, c'est ça. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications dès qu'on sort une nouvelle vidéo. Je parle trop vite, je m'emmêle les pinceaux. S'il y a une question ou quoi que ce soit, laissez-nous un commentaire, on répond à tout le monde. On vous laisse avec le tuto. Et du coup, pour réaliser ce maillot de bain, il vous faudra un débardeur à vous et une culotte. Si vous avez déjà un maillot de bain, on vous conseille de vous en servir comme modèle. Ce sera quand même plus pratique que de le construire avec un débardeur et une culotte. Ensuite, il vous faudra 2 mètres de lycra. Nous, on a utilisé 2 mètres parce qu'on a doublé tout notre maillot. Mais si vous utilisez un lycra d'une couleur foncée, vous n'êtes pas obligé de le doubler. Et on fait environ 3-4 mètres d'élastique, de 5 mm de largeur à peu près. Alors on plie notre lycra en deux et on vient placer notre débardeur et notre culotte pliés en deux également contre le pli de notre tissu. Et on se sert d'un body ou d'une combi ou alors on se mesure pour définir l'emplacement exact de la culotte. Suivant le débardeur qu'on utilise, on vient le plier pour que ça matche la largeur de la culotte, de sorte à former une courbe bien prononcée sur les côtés pour que ce soit bien près du corps. Une fois que c'est bien en place, on vient tout épingler parce que le lycra, la vie de ma mère, ça bouge, c'est horrible. Et on va venir découper ça tout autour en prenant soin d'allonger légèrement le haut des bretelles. On veut que notre monokini ait un esprit un petit peu rétro, du coup on va venir relever un petit peu la courbe des cuisses pour que ce soit légèrement plus échancré. Et comme c'est la pièce du devant qu'on découpe, c'est bien la ligne du devant de la culotte qu'il faut suivre.
On se sert de la culotte pour placer des repères, nous on a placé des épingles, et on découpe. On a remarqué que le lycra qu'on a utilisé, il était super transparent quand on le mouillait. Du coup, on a décidé de doubler tout le maillot et on se sert du devant qu'on vient juste de découper pour en découper un autre. Allez, on va découper notre dos. On se sert du devant comme de modèle. Et si on veut, on peut rajouter la petite pièce qu'on a découpée au niveau de la cuisse si on a peur de faire un petit peu n'importe quoi. On épingle le tout parce que ce tissu, c'est un enfer. Et on découpe tout autour exactement pareil, sauf que là, au niveau de la manchure, on découpe tout droit sur le dos. Au niveau des cuisses, on fait bien attention que les deux jambes soient à la même hauteur. Et comme on voulait un maillot un petit peu plus sexy, on est venu échancrer davantage la cuisse après l'avoir découpée. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à découper le dos nu sur la pièce du dos. Et pour ça, il suffit de découper une courbe qui part de la manchure en descendant jusqu'au milieu du dos. Et même histoire au niveau de la transparence, on vient découper cette pièce en double pour doubler tout notre maillot. On passe à l'assemblage, on va venir faire correspondre l'entrejambe d'un dos et d'un devant et on va l'assembler à 1 cm avec un point élastique. Donc nous on utilise un point overlock parce que c'est super solide, mais vous pouvez très bien utiliser un point zigzag. On fait ça avec l'autre dos et l'autre devant exactement de la même manière. Ensuite on les pose l'un contre l'autre, envers contre envers. Et on va venir rabattre le dos et le devant pour faire correspondre les lignes des côtés. On va épingler ces 4 couches ensemble et on va venir les assembler. On vous conseille fortement d'utiliser les épingles. De toute façon, si jamais vous le faites, vous allez très vite vous rendre compte que ce sera impossible de le faire sans. Et sous la machine, toujours avec un point overlock. Ensuite, on va placer le maillot sur le côté. On s'aperçoit qu'au niveau de la manchure, c'est pas très linéaire et du coup, on va venir redécouper pour être sûr de faire une jolie courbe qui relie le devant et le dos. Et à chaque fois qu'on coupe quelque chose ou qu'on découpe quelque chose avec ce tissu, on utilise des épingles et des épingles toujours. Allez, pour plus de stabilité, on va venir assembler la doublure au maillot au niveau des cuisses pour éviter que ça bouge, pour que ce soit plus simple au moment de la pose de l'élastique. Et on fait la même chose sur la ligne des côtés, donc la ligne qui commence en haut de la bretelle, qui fait tout le tour du dos et qui revient sur l'autre bretelle. Le décolleté, on peut l'épingler à ce moment-là pour être sûr que tout reste en place, mais on s'en occupera plus tard. Et on assemble tout ça, toujours avec un point élastique. On redécoupe toutes nos valeurs de couture pour que ce soit propre, parce que ça bouge énormément au moment de la couture, et que on peut vous dire que nous, c'était pas parfait, hein. Et tout bêtement, on va venir poser notre élastique sur les cuisses, on met l'élastique sur l'envers de notre maillot, et on replie le bord de notre maillot pour prendre l'élastique en sandwich. Et on va venir surpiquer tout ça avec un point zigzag, ou un point zigzag en 3 étapes, on sait pas vraiment comment ça s'appelle, mais on trouve que le rendu est plus joli. Si vous avez la réponse, vous pouvez nous laisser un petit commentaire. On peut épingler le bout de l'élastique au début pour que ce soit plus facile, et pendant la couture, on tire un tout petit peu sur l'élastique pour avoir un bon maintien. On fait tout le tour de la cuisse petit à petit, une fois qu'on arrive au bout, on découpe ce qui dépasse, on cache les deux bouts de l'élastique sous l'ourlet du maillot, et on vient repasser sur le début de notre couture. On suit exactement les mêmes étapes pour les bretelles du maillot, sauf que arrivé au niveau de la couture des côtés, on tire beaucoup plus sur l'élastique pour être sûr que notre dos nu soit bien plaqué sur le dos. Hop, vous découpez ce qui dépasse et on voit très clairement que sur le dos, ça fronce beaucoup plus qu'ailleurs. On voulait poser un biais pour le décolleté, on s'est très vite rendu compte que ça allait être une grosse galère avec ce tissu. Du coup, on vient découper une bande de 4 cm de large, un peu plus longue que notre décolleté. Et on va venir la découper en deux. On vient épingler une des deux bandes sur un côté du décolleté et l'autre sur l'autre côté, tout ça sur l'endroit du maillot. On assemble le tout avec un point élastique. À la pointe du décolleté, on plante l'aiguille, on relève le pied, on tourne le décolleté, on rabaisse le pied et on continue. On vient cranter le décolleté et on retourne les deux bandes sur l'envers.
on épingle le tout, on découpe ce qui dépasse et on va venir surpiquer avec le même point zigzag qu'on a utilisé pour la pose de l'élastique. Ensuite, on a redécoupé nos bandes pour que ce soit un petit peu plus propre. Et vous avez vu, c'est pas la pose d'un vrai biais. On s'est pas trop pris la tête parce que c'était vraiment compliqué de s'en sortir avec ce tissu qui bouge énormément. Et enfin, pour les bretelles, on mesure le haut de nos bretelles. On multiplie par 2 et on rajoute 2 cm de valeur de couture et ça nous donne la largeur de notre bretelle. Et vous voyez qu'on part légèrement en biais pour finir sur un petit cordon tout fin. On plie en deux dans le sens de la longueur et on coud avec un point élastique. On va venir retourner le tout avec une épingle à nourrice. Et pour les assembler, on les pose endroit contre endroit et bord à bord avec le haut de notre maillot. On fait quelques allers-retours avec un point solide sous la machine. On rabat la valeur de couture vers le bas et on vient la surpiquer avec un point zigzag. On a également surpiqué toute la longueur des bretelles mais on ne l'a pas montré en image. Et votre super maillot de starlette hollywoodienne complètement rétro est terminé. Voilà, on espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez vos petits pouces bleus. Vous pouvez chercher Hello Superette sur Facebook et Instagram pour voir ce qu'on vous prépare entre deux vidéos. Si vous voulez apprendre à coudre une cravate, vous pouvez cliquer sur la vignette qui s'affiche sur votre écran. Et vous savez qu'on se retrouve samedi prochain à 9h parce qu'on est à chaque fois là au rendez-vous. Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est vrai? Si, je crois que c'est vrai. Oh, gros bisous! Gros bisous! Voilà, très bien!